Est-ce que vous êtes là? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Je ne vous vois pas. Êtes-vous là? Allô, allô? Re! Ah, la Ounas est revenue! Est-ce que Ascati va revenir? Ce serait vraiment très sympa. Ce serait vraiment très gentil après la souffrance que j'ai vécue. DBD, celui-là qui veut me rejoindre, vous pouvez me rejoindre, bien sûr, évidemment. Quoi, quand vous êtes tueur, donc je sais pas. Ouais, j'ai envie de voir si cette sorcière est game tueur. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis tueur, en fait. Petit live nocturne, que ça fait longtemps. Je lance le jeu. Rien de trop à dire, hein. À part qu'il est minuit 11 et que je lance un live. Enfin, je lance un live. On était sur Fortnite depuis 20h, mais. Voilà quoi. Je coupe la musique. Vous avez rien raconté, moi je suis chaud hein, pour entendre vos histoires. Hein. Ou vos débats à la con. J'adore les débats à la con. Je suis le premier à en balancer d'ailleurs. Mais là, j'ai épuisé mes stocks hein, parce que j'ai beaucoup stream aujourd'hui. J'ai stream ce matin, j'ai stream. Là ce soir, là il fait nuit maintenant et je stream encore quoi. Donc, du coup demain je sais pas si je streamerai vu que j'ai beaucoup stream aujourd'hui. J'ai dit c'est moins de chance mais du coup c'est moins de chance peut-être pour une prochaine fois à la fin. Lundi je rappelle qu'il n'y aura pas de stream parce que c'est lundi. Non, Ascati s'est tiré, c'est pas grave, y'a que Launasp qui est un petit pire. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais pas fatigué, fatigué, genre envie de dormir, fatigué, genre. Fatigué. Vous savez, Osun et les légendes des cernes infinies. Mais si demain, je me réveille à midi, tant mieux. Hein. Ça fera le plus grand bien au monde. Quoi le trappeur? C'était tout à l'heure qu'on a joué, mais... Merci, je joue mon genre des gars. Tueur, en plus je veux qui en tueur, j'ai envie de jouer Légion, tiens. Spirit aussi un peu. Spirit, je sens que je vais rager. Objectif, la nurse, hein, bien sûr, en fait, je rappelle. Oh, on pourrait jouer le clown, sinon. Le clown, le problème, c'est que j'ai... En fait, le problème, c'est que le clown a des skins dégueulasses. Hein. On rappelle. C'est vrai, vraiment. C'est même dans la boutique, je crois. En fait, à part deux skins, ils sont vraiment tous dégueulasses. Ouais, c'est ça, en fait. À part lui... Et lui. Lui il est juste marrant monsieur Puddle. Par contre il est vraiment beau. Ce qui me permet il est juste marrant. Lui il est classe en fait. Il y a un style. Ouais le coup n'en reste c'est... Le docteur, peut-être. Ouais, il y a des flancs. Ouais, il y en a 41. Tu sais que c'est un argument assez tentant pour le jouer. Qu'est-ce que je pourrais jouer en vrai? Moi, je vais partir sur un classique, Légion.
Faut que je pique sinon. Pique, je joue comment? Pique, je voudrais que j'ai testé, c'est pour tester avec un build objet, voir comment c'était. Spoiler, c'est fort. Voilà. Ça, c'est très fort. Mais je l'enlève parce que j'ai pas que ça niqué des cassettes et des trucs. Et que je suggère que c'est nos conditions de jouer avec, et rendre du enfermé pour en avoir, et du coup, c'est galère. Donc, bon, merci. On va rester sur des classiques. Je vois comme build. Repentir, sans jouer, espoir brisé, thanatophobie. Oh, ce build c'est un peu marrant. En vrai, je vais peut-être juste enlever ça. Et à la place, mettre ça. Voilà, après. C'est de la merde, mais c'est pas grave. Ça fait juste marrer de jouer avec un build. À jouer avec un build. Genre crochet flagellateur. Putain, il faut vraiment attendre pour trouver une partie en tant que tueur, quoi. Oh la déprime! Jamais de la vie à minuit, t'attends pour trouver une partie tueur. Ah ça va, c'est pas très très bon. Parce que de nuit, en vrai, tu mets prêt, tu attends 3 secondes, t'as trouvé une partie. Hein. Je trouve qu'il est fort. Ah, il était à 20. Je vais laisser à 20, du coup, ce que je baisse, ça va me faire bizarre. Je vois ça, du coup j'ai envie de jouer ça d'Aco. Bonjour, j'ai des problèmes. Je vais en avoir si je joue ça d'Aco, c'est sûr. Ça d'Aco, c'est nul. Pardon, j'ai dit. Non, mais quand tu vois que vrai, je faisais une game contre des gens plutôt ok, genre pas très bon, pas très nul, ok quoi. Genre que j'irais bien hein, et que j'ai quand même réussi à. J'ai quand même réussi à en tuer qu'un seul à la fin de la game qui sont tous les autres barrés. Effectivement, il y a un problème avec ça, d'accord. Ouais, ça va. C'est pas une map très grande, du coup, pour mes crochets flagellateurs, ça peut aller. En plus, la cave, souvent... En fait, la cave est à de bons endroits. Soit la cabane, soit derrière le saloon. Et du coup, ça va. Que du bonheur. Eh oui, Maneki Neko. Ah, quand je te vois, ça me redonne le sourire. Le salon de Dead Dog. Dog, ça va un peu dire chien, mais c'est pas grave. Déjà, la tradition slave le mot. On pète cette porte, par contre, on me pète vraiment les oreilles. Je suis genre que je les ai pas vus. Technique qui marche jamais. Je suis pris le casier, mais on va faire genre que non. Ils sont où? Je sais pas si c'était par là. Sérieux? J'attends la frénésie ou j'attends direct? J'attends direct. Au pire, je peux encore me faire une idée et les taper. Putain, le truc il a fait. Il fallait vraiment essayer d'esquiver mon petit coup de couteau quoi.
Tous autres suivants. Le coup de Dwight, non, j'ai super peur qu'on se transporte un suivant d'un point A à un point B. On s'est un peu éloigné, genre comme ça là. Jill, elle est blessée? Non, elle est pas blessée, hein. Elle s'est soignée, oui, elle s'est soignée. Je croyais qu'elle était blessée au début quand elle s'est passée, je trouve ça bizarre. J'ai pas cassé beaucoup de palettes. Hein. Bon, je m'en fous, ça nous a frénésie. Et ça m'empêche pas de te courir après. Hop là. Ah. Jazz nocturne comme ça, quel plaisir. Avec là, j'ai mis des étincelles. Ils sont passés. Non, sérieux quoi, meuf, arrête. T'abuses quoi. Putain. Après, on va dire que j'ai tunnel quoi, mais. Meuf, elle saute dans mes bras quoi. Après, ça veut dire que j'ai tunnel. C'est vrai qu'il faut que je fasse péter cette palette du coup. Vous savez bien qu'il y avait une palette que j'avais oublié de péter. Je vais être déçu. Ah, elle est pas montée en haut. Super sexy. Je perds trop de temps là, tu sais. Laisse tomber. Je perds du temps sur des suivants qui n'existent pas. Faut que je sprint plus souvent. En vrai, je sais pas du tout ma frénésie animale.
Yo, ça va? Ah, Lentoko! Bah écoute, ça va, ouais, on était sur Fortnite. Putain, mais ils sont où ces fils de pute? Ils sont déjà passés en mode sneaky ou ils font des générateurs tranquilles? Je sais pas trop en vrai. Non, non, il faut plus de générateur. Ouais, je suis de retour. Bah ouais, je vois ça. T'es là ce matin, non? Je sais plus. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, la poule. Mange-toi ça. Ce matin, non. Ok, il me semble que c'est. Ce matin, on a joué avec un type très très sympathique. C'est vrai qu'il y a d'autres gens. Oh! Non, tu devais être là au live Unite. Ou alors, si on faisait des blagues, parce que t'étais pas là, alors que toi qui avais demandé live, je sais plus. J'en avais plus, ça tire trop longtemps. Ça fait 2 jours. Non, je n'ai aucune mémoire. Quatre points d'interrogation, je ne sais pas ce que ça veut dire, mec. Attendez, MDR. Donc j'ai dit, je crois. Non, je sais plus qui m'a demandé de live unite. Je sais qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé de live unite Muscoto. Il y en a que ça date un peu. Et d'autres non. T'as vraiment disparu? Non. Vas-y, fais-moi tout ma patte sur la gueule, fais-moi tout ma patte sur la gueule. Je me demandais si tu étais sûr avec Moscoto. D'accord. Non mais je dis pas que ça, je dis juste qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il y a deux personnes qui m'ont demandé ce live. Ah, il y a une palette ici. Pourquoi elle a fait tomber l'autre tout à l'heure? Ça fait longtemps, mais l'autre ça fait pas longtemps en plus. Je sais pas qui c'était. Je sais plus qui c'était, pardon. À la soupe, je l'ai vu. Bah quoi que non, vu qu'elle a déjà fait un bond sur quelque chose. D'ailleurs, tu kiffes Muscoto? Bah, j'ai testé en entraînement, en vrai, ça a l'air sympathique, franchement. Pas non plus ouf, mais c'est sympathique. C'est déjà plus prometteur, sinon niveau puissance, c'est déjà plus prometteur que Azumarill au début. Hein. Je trouve que les gens s'enflamment un peu trop pour rien par contre. Hein. Parce que genre pour comparer, bon ça a rien à voir, ça fait tout le même rôle, mais... Genre pour comparer avec Givrali, Givrali faisait plus de dégâts. Hein. Je t'avais quoi, ouais, j'ai vu. Par contre, ce que les gens avaient l'air de moins kiffer dans le chat et moi-même aussi, c'est le prix, hein, putain. Bon, on l'avait dit, hein, mais 12 000 pièces. Et encore, j'ai dit aux gens, vous êtes pas prêts pour le prix de Tyrannosif. Hein. Je vous sens sentir, moi je joue en entraînement parce que j'ai pas les pièces. Et j'ai pas envie de dépenser les pièces. En fait, j'attends que les prix baissent, je dis. Je traitais pas un Pokémon à 12 000 pièces alors que tous les autres étaient à beaucoup moins cher que ça en fait, sans problème.
Parce que les prix vont baisser, hein. Pas de doute là-dessus. Mais Tyra, je suis moins fan. Bah Tyra, on verra. Parce que Mousqueto, c'est sympa aussi. Bon, ouais, ça va. Tiens, si, je suis juste curieux de voir. Par contre, Tirzif, les gens ont vraiment l'air être d'accord pour dire par contre c'est vraiment pété quoi. C'est pas genre les légendaires mecs, ouah c'est cheaté, je veux un truc sort. C'est, on rappelle hein, bisous Azumarill hein. Genre bisous Azumarill, t'es cheaté avec Siphon et Call of Force, alors qu'en vrai c'est genre giga éclaté. Mais les gens étaient quand même en mode, ouah c'est cheaté. Non, non, jamais, dans aucun univers. Putain mais tu t'es téléporté ou quoi? Donner des pièces en plus. J'ai pas compris avec ton message. Je sais bien que les pokés coûtent plus cher, mais donner des pièces en plus. Comment ça? Ça c'est que j'ai vraiment pas vu. Attends, Jill bouge pas. Hein. T'es où Jill? Mais Jill fait rester pourquoi? T'es parti? Partir Jill? Ah, et qu'il booste les pièces données en fin de partie. Ah ouais. Non mec. Bah il faudrait qu'il booste les pièces et qu'il garde les prix de base. Que... Moi je pense qu'ils augmentent les prix, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils ont remarqué que les gens avaient pas de mal en fait à se faire des pièces. Je pense que c'est ça la raison. Ou alors c'est tout le temps d'anniversaire. Tiens, un siff, moi j'ai un peu hâte de voir comment ça va être, hein, franchement. Je suis désolé, mais qui a un pièce quoi. Je suis parti, c'est pas mieux, 6 000. Ouais, arrête, les parties sont pas très longues. Mais moi, je suis d'accord pour dire que c'est pas assez. Hein. Jamais dit le contraire, mec. Viens là, petit moineau. Là, tu fais quoi toi? Lâche ce générateur. Mec, c'est 80 pièces si tu gagnes d'ailleurs, je crois. C'est 40 pièces, c'est ce que t'as quand tu gagnes en partie rapide. La poupette sur le crochet magique. Oh, ils ont adrénaline. Il y a qu'une seule porte qui s'est ouverte. Ah, il y en a une autre là-haut. Ils sont là-bas. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je touche pas. Et là, ta pote n'a pas ouvert la porte parce que ouais, tu joues avec les mêmes gens que moi, je joue. Quand je joue à DBD. Imagine. Dis au revoir Jill, dis au revoir ta pote Jill. Il s'est tiré sans toi. Il s'est vraiment tiré sans toi en plus. Attends.
Attends. 50 parties pour un perso à 10 000 pièces. Merci, mais non, merci. Même pas, mec, parce que t'es limité à 6 000 pièces par semaine, hein. Donc c'est encore plus une arnaque que ça. Attends, pas de majuscule sinon ils disent qu'on est vantard. Non, j'ai oublié de sortir le tueur 4 fois. Je fais une game, win 39 PS. Ah, peut-être qu'ils ont baissé les prix alors. C'est possible. Mais mec, t'oublies les 20 pièces qu'on donne tous les jours, MDR. C'est littéralement toujours, on donne 1 euro, quoi. Mais bon, ton loyer est de 1000 balles, quoi. Sous comment tu veux faire 6 000 pièces en une semaine? Tu trouves ça compliqué ou pas, toi? Moi, je trouve ça. Enfin, moi, à part si tu regardes le jeu, je trouve ça pas faisable, tu vois. Parce que moi, on m'a déjà sorti en live il y a longtemps, hein, quand Unite, ça faisait une semaine que c'était sorti, ou 2 semaines. Et les gens, quand ils sont sortis, que 6 000 pièces, ça se faisait vite, hein. C'est des malades, les gens. Après, je suis persuadé qu'au début, tu faisais plus de pièces que ça. 40 pièces, ça me paraît pas beaucoup, hein. Lapin qui explose. Bah, 150 games pour avoir 6 000 pièces. Putain. Après, en partie rapide, il faudrait voir comment ça... Mais du coup, en partie rapide, c'est 20 pièces? C'est de la merde. Pardon de le dire à voix haute, mais c'est la vérité. C'est de la merde. Légion, c'est marrant. Faudrait 22 games par jour. Oh. Attends, une game ça dure. Sans compter les temps d'attente. Hein. Une game ça dure 10 minutes. 10 fois 22. Ah, putain, c'est beaucoup de games. Hein. Ça fait 220. Non, c'est ça. Hein. Attends, 10 fois 22, ça fait. Pardon, 10 fois 22, ça fait 220, je crois. Hein. C'est ça, ça fait 220. Donc je dois faire 200. Ça veut dire que ça fait 220 minutes. Oh putain. Ça veut dire qu'en gros, tu dois faire entre 3 h et 4 h de game par jour, sans compter temps de chargement. Parce que je répète, temps de chargement, des fois, les mecs, à pas se mettre prêt à d'affilée, tu peux attendre des fois 2 minutes hein, avant de trouver une game. Hein. 3 h par jour. Ouais, c'est ça. Bah, en comptant temps de chargement, en vrai, ça te fait facile 4 heures. J'ai envie de souffrir un peu. Parce que j'adore souffrir. À l'ancienne, hein, on va jouer Spirit. Hein. Donc bon, facile, c'est un bien grand. Mais maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est pas ouf Spirit. Enfin, mais il y a des gens, mec, je te dis, il y a des gens, moi je suis pas d'accord avec eux du tout. Hein, c'est. Oh, ça va, ça se fait vite. Vous voyez, c'est facile, ils me disent ça se fait vite. Hein. Vous êtes des malades. Après, on est mauvaise langue, il y a aussi les défis qui donnent des pièces tous les jours. Il y a des trucs en vrai. Je joue que Mouskoto à chaque game. Bah, mec, si tu veux tirer aussi. Fin... Moi, je t'avoue, entre tryhard, Mouskoto ou tirer aussi, je préfère peut-être tirer aussi avec du recul. J'ai testé Mouskoto, c'est pas un gameplay fait pour moi en fait. Gros kiff, puni des mecs. Bah, Mouskoto, par contre, t'as vraiment une impression d'être super fort. Ça, c'est clair. Tu as aucun débat, hein. C'est vraiment Mouskoto, t'as l'impression de vraiment te défoncer des culs, quoi. Ha ah.
Tu es adorable, petite Onryo. J'ai envie de te faire des petits bisous sur les joues. Comme ça. Par contre, Léon, j'ai moins envie de te faire des petits bisous, par exemple. Étrangement. Bonjour, je m'appelle Rin Yamaoka. Je fais caca sur vos têtes. Vos sales têtes de survivants. Genre, en vrai, la game d'avant, on aurait joué Sadako, on l'aurait perdu, mais à 3 km. Hein. C'est franchement la game, on l'aurait jamais gagné du tout. Jamais de la vie, à aucun moment. Le problème de Sadako en plus, c'est que t'es obligé de jouer avec des trucs genre Force Brute ou Fire Up ou Déboussolé quoi. Surtout Déboussolé, je trouve Déboussolé c'est bien Sadako. Bon, alors je vous avoue qu'entre Fire Up, Force Brute et Déboussolé, je préfère quand même Déboussolé sur Sadako. Passer plus vite les loops et bloquer le passage. Il y avait Odzerva il jouait Tenace et Fureur de l'Esprit et apparemment ça marchait bien. Si Odzerva, pour un build sérieux, hein, genre qu'il a vraiment pensé pour être opti, a décidé de prendre Tenace et Fureur de l'Esprit, c'est-à-dire qu'il y a réellement un problème avec ce tueur au niveau des loops. Parce qu'Odzerva, c'est pas n'importe qui. Hein. Odzerva, c'est un mec qui joue 10 heures par jour, 8 à 10 heures par jour, qui a opti toutes les maps, tous les loops, qui les connaît tous par cœur, qui connaît quasiment les licences par cœur de chaque tueur d'attaque et tout. Donc si Odzerva te sort un build Sadako, Tenace, Fureur de l'Esprit, c'est-à-dire la double perte pour encaisser mieux les loops, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un gros problème. De toute façon, moi, vous savez qu'à chaque fois que je prends une compétence, genre force brute, une compétence d'anti-loop, hein, genre force brute, fire up, déboussolé, Tenace, truc comme ça, je sais hein, que je ferai du principe un peu défaitiste, en mode bon bah, il faut que les loops, je perds trop de temps. Il me faut un truc pour ça. Oh, ce boule. Il me faut un truc pour éviter ça. Ah, j'aurais dû essayer en vrai. Pour sur un meurtrier et. Et genre, je vous écoute avec elle. Au chili barbecue. C'est moi, l'esprit. Ah. Tiens. Il est revenu? Non, je crois pas. Grosse connasse. Et Tiransif, du coup, ça se joue comment, mec? Je crois que t'as vu, toi, non? Tiransif, ça pourrait peut-être plus me plaire, je pense. Hein. En vrai, tu fais ça, mais tu te casses la gueule, quoi. Avec un mec sur le pot. Sur les potes. Alors ça se voit peut-être pas, mais en fait je vais plus vite quand je suis comme ça. J'explique aux gens vite fait qu'ils connaissent pas. J'explique aux gens qui connaissent pas, en fait j'ai pris le mauvais couloir en fait. Là, je suis en train de faire un tour pour rien. Voilà, c'est là, c'est l'escalier en fait, c'est là que j'aurais dû aller. Alors là, je vais pas poursuivre celui qui est blessé en fait parce que j'étais en anatophobie, du coup j'en profite pour en blesser un maximum.
Parce que t'as tout vu, en gros, plus il y en a de blessés, plus. Plus ils sont ralentis sur les générateurs et autres. Putain, j'aurais dû avoir pris un espoir. Quel bide, putain. Putain, mais tu vas loin, ma con. Elle est où? Putain, mais j'entends les bruits. J'entends les bruits quelque part. En fait, elle est pas au bon endroit. Mais vous fiez vraiment en bruit quand vous jouez à DBD Spirit, hein? Parce que pour l'instant, ça m'a induit en erreur. Hein. Putain, je perds trop du temps en plus. Pas pour être de mauvaise foi, hein, mais c'est la vérité. Pour l'instant, si au bruit, c'est pas un bon move du tout. Hein. T'as moins que ce soit vraiment collé à toi. Meuf, genre, elle aurait pu finir le générateur sur qu'on reste soigné elle-même, et je suis sûr qu'elle a fait prophylaxie en plus. Et c'est de perdre perte de temps. Ah, quoi qu'il y a le totem de soin, donc j'ai rien dit. T'as de la chance, toi. Allez, poupée. Viens dans les bras de maman. Je crois que Hélène Toko s'est barrée. C'est pas grave. J'aime quand même Hélène Toko. C'est un bon gars. Il n'y a pas de thème béni, je pense qu'il est en hauteur. Bon, quoi qu'il soit, je sais pas où il est et... Non, je suis en game. Ah, d'accord. Parce que je t'ai demandé... Tyrannosif, il est comment? Trop bâtard. Donc je fais du bruit vers lui, quoi. Ouah, mais madame, t'es rentré en cul! Comment t'as fait ça? Elle a fait espèce de glitch, ouais, c'est TP. Bon, j'ai l'impression d'aller soigner.
Bah Tira en vrai c'est un nouveau gameplay, Muskoto MVP, easy. Léon, pas deux fois. Incisive Strike. Non, ça arrive. C'est un Léon sympa. 18 kills qui... 18 kills de assists. Pourquoi j'ai eu deux autistes au début? Muscoso, c'est un peu de technique à jouer. Hein. Ça adhère ou ça adhère pas au gameplay. Hein. Non, c'est parce qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça de Muscoto. Dommage. Ouais, c'est beaucoup. Mec, on prend en screen et encadre le chez-toi. Hein. Imprime-le. Une bonne game. Ouais, bah oui, je vois ça. Je te crois, mec. Je te crois complètement. Make bad choice, probable. Je faisais le nom de la personne à gauche. En gros, quand il pète des totems, bah, tu peux les remplacer avec Repentir, par Pimento. Et en fait, pour chaque totem que je remplace, que je ressuscite en fait, il y a un effet qui s'ajoute au survivant, un effet négatif. Le premier, c'est que les générateurs sont ralentis de 20%. Le deuxième, c'est que leur soin est ralenti de 20%. Le troisième, je sais plus. Le quatrième, c'est que les portes prennent 40% de temps de plus à s'ouvrir. Et 5. Bon, ça y a passé 5, c'est vraiment que t'es vraiment un boss. Et qu'ils ont mal géré leur coup aussi, surtout. 5, les totems sont intuables. Donc tous les effets cumulés comme ça, voilà. Je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quoi 3. Le bien, c'est que si t'as aimé jouer Azumarill, tu vas aimer Tira, j'espère. C'est du cac, Tira, ou c'est de la distance? Parce qu'en fait, Tira Insif, j'imagine une espèce de Dracolos en fait. Mais à base d'AO et tout en fait. Genre base de séisme, d'éboulement, de pièces de roc, enfin de pièces de roc, de lames de roc. Tira, c'est du cac, d'accord. Bah dans le jeu c'est du cac aussi donc. J'ai vraiment un truc qui tire des lasers avec sa bouche, comme Godzilla quoi. C'est Godzilla en fait, Tira aussi. Si jamais vous avez jamais compris, voilà je vous le dis. Hein. Pourquoi il faut tomber la palette? C'est vraiment que tu peux m'avoir? Non, vous me prenez pas dans la gueule. Hein. Tu sais même pas à quel point j'en ai rien à foutre. Make bad choice, comme s'appelle ton ami. Non, non, ça que c'est là-haut. C'est un polyvalent, oui, je sais ça. Mais c'est pas les. Alors, attaquer à distance. Être un polyvalent, c'est deux choses qui peuvent être ensemble. Hein. Genre bonjour Dracofeu, bonjour Dracolos. Il y a un event où une game égale 100 pièces. Quand cet event? Parce que je veux bien rejoindre Unite hein, pendant cet event. Vous savez qu'en vrai, je ferais à me dire un truc là, j'ai limite envie de jouer Unite. Hein. Je vais pas le faire parce qu'il est trop tard et que je vois des BD déjà, donc non, c'est mort. Ça rien d'insister. Mais ouais, je suis en train de me dire, Unite, c'est plus pour le soir, en fait. Je devrais plus en streamer le soir, parce que je sais que le soir, je suis plus chill, souvent. Genre là, vous voyez, je suis ultra posé. Parce que le soir, c'est le moment où je suis plus posé, souvent, c'est là que j'écris, en fait, mes vidéos. C'est là que je tourne, d'ailleurs, souvent.
Ça se torcit, hein. C'est là que je fais mon travail en ligne et tout. Là, ce que je fais très, c'est que j'ai expliqué en fait que j'avais une gueule de cadavre. Que mon travail me prenait machin et tout. Enfin, bref, j'ai raconté ma vie. On m'a dit, ok, stop. Repose-toi. Elle est partie où là? Jamais lose une game avec Musuzo pour le moment, je suis fier. Mon premier mec, t'as dû tomber sur des mecs bien. En plus, vous savez aussi pourquoi. Moi je dis, les gens sont plus un peu cons sur Unite. Moi je pense surtout au fait que Unite, j'ai commencé à jouer le matin. Et l'après-midi, c'est une très mauvaise idée. Le soir, les gens étaient quand même plus intelligents. C'est l'après-midi que les gens sont cons. Parce que je suis retourné sur des lives avec un. Je suis retourné sur un live avec un Florizarre ou de Montaubé. J'en ai jamais vu, hein. Bah c'était l'après-midi. Alors que live le soir, j'ai remarqué souvent ils sont plus chill en fait. Donc ouais, Unite, hein, j'aurais pu jouer le soir. Dans la nuit. C'est vrai. C'est vrai, c'est trop cool. C'est quoi, mec, tes pronostics pour le mois de septembre, les trois Pokémon qui vont être annoncés? Moi, j'ai envie de dire encore une évolution. Je dirais Melodelph. Et en dernier, je dirais peut-être, je sais pas, en vrai. Un gros Pokémon style Drattak ou pas Karchakrok, mais genre dans le style de Karchakrok ou Drattak. Genre Drattak ou Muplodocust ou je sais pas, un truc comme ça. Make bad choice, tu vois, faire des mauvais choix. T'auras aidé. Oh, mais elle attend la porte, c'est sûr. Vous pouvez dégager cet effet noir dégueulasse, s'il vous plaît. Que je peux avoir un spot, non, je peux avoir un spot où je vois tout. Bonjour, toi. Ouais, vas-y. Ouais, du coup, tellement belle. Et du coup, ouais. Non, je sais pas quoi dire. Après, moi, ce que j'espère, c'est un jungler, un support. Et un défenseur. Genre pour changer un peu. Ça on aura tout fait en fait. Parce qu'on a eu un attaquant et deux polyvalents, ce serait bien qu'on fasse tourner un peu la roue et qu'on ait genre un support, un jungler et un défenseur. Ce serait bien enfin un jungler au bout d'un an, tu sais. Bah fais pas tant de mauvais choix que ça, à la fin, elle a su bien gérer. En vrai, ils étaient pas ouf. En fait, j'ai vu au début que c'est tombé facilement les palettes. Ok. Je suis d'accord. Après, Spirit, c'est un peu compliqué pour les gens. Ils savent jamais trop comment réagir. Du coup, j'ai envie de tester. Ouais. Chili Barbecue et Poursuivant Meurtrier.
Il est où pour son meurtrier? C'est un grand bonhomme qui marche. Où est-il, les enfants? A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, P, Ok, ça va, on laisse. Ok. Il est là. Je reviens jouer au shot. Donc je dirais peut-être un chien. Attends, il y a Mélodelphe, Quatox, c'est un que je sais pas. S'il y a ni Mélodelphe ni Quatox, je suis mort de rire. Non, parce qu'en fait, les sources des gens, en fait, je sais sur quoi mec tu te bases pour Mélodelphe et Quatox. Hein. À moins que c'est changé dernièrement, mais. En fait, juste parce que dans les codes sources du jeu, les gens choisissent. Ah, ça va être les suivants. Ah, ça va être les suivants. Ah, ça va être les suivants. Moi j'adorais hein, parce que Quatox ça serait un jungler. Bon, apparemment non, ce serait un polyvalent au final, mais apparemment ce serait un jungler. Et donc un jungler serait bien ce qu'il faut. Il en faudrait un au jeu et Quatox c'est loin d'être le plus dégueulasse. Hein, mais Quatox ça m'arrive un peu d'ailleurs. Ah, j'ai lâché une caisse, excusez-moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pour Melodel, ce serait un support. Donc moi je dis oui. Non, vraiment je regarde Pokéfish. Bah je veux bien que tu m'envoies ça vite fait là, là en lien sur le live. Je peux envoyer un lien sur le live, oui bien sûr. Je suis même très curieux. Pokékalos, je fais confiance. Ils ont un peu de mal à se mettre à jour mais. Non, c'est Pokébip qui ont du mal à se mettre à jour, pardon, j'ai rien dit. Visez combattants en venir, Tyranocif, Quatox, Melodelph. Ouais, mais d'accord, mec, mais ça fait longtemps que sont les codes sur le jeu, ça fait longtemps qu'on sait ça. Mais qui dit que ça va être les suivants, en fait? Non, parce que, si tu veux, en fait, c'est les mêmes gens qui disent que Quatox, il va être dans le jeu, mais à chaque fois, en fait, qu'il y a un Pokémon qui va être annoncé, qui va sortir, les gens disent, ah, ça va être Quatox, ah, ça va être Quatox, ah, ça va être Quatox. Oui, enfin, à force, Quatox, on sait pas quand il va sortir, quoi. Quatox, moi, je me rappelle, il avait déjà été leaké dans les codes sources du jeu il y a presque un an, en fait. Hein. Pas presque un an, mais genre début d'année, quoi. Début d'année, Quatox, il me semble même pas avant, encore. Hein. Franc être polyvalent. Qui vous dit que ça va être là? Moi j'adorerais, mais qui vous dit que ça va être là? Mais l'honnête, je pense que oui, franchement. Excusez-moi. Par contre, ouais, le troisième, faut un jungler. Ouais, bien sûr. J'aimerais vraiment. Alors, en vrai, il y a un truc que j'aimerais bien. Ça, ce serait un support. Bon, ça va. Ça, c'est ok. Bon, deuxième truc que j'aimerais bien. En vrai, je m'en fous du rôle. Genre, juste éviter un attaquant, mais ce serait cool un Pokémon de légende Arceus en vrai. Genre, une forme d'issue, quoi. Que ce soit Electrode, que ça soit Zoroark, que ça soit. N'importe, même Guerriaigle en vrai. Ce serait cool un Pokémon d'issue. Hein. Bon, Farfurex, ça me ferait chier, mais pourquoi pas Farfurex? Parce que je déteste Farfurex. Je trouve hideux ce Pokémon, il fait vraiment peur. Putain, trop bien cette map.
Par contre, heureusement que j'aime me manger des écharpes parce que putain, cette map les palettes. Encore ça va, je trouverais c'est une des maps plus équilibrées. Hein. Tueur suivant. Bonjour. Bien sûr. Non. Mais moi, ça me donnerait même pas qu'ils mettent pas un jungler. Franchement. Il peut vraiment passer au travers quoi, c'est horrible ça, quand tu les tapes quoi. Ça doit être 7 personnes. Non, je sais pas pourquoi vous êtes là mais je vous remercie. Putain, il n'y a pas eu une animation. C'est barré par où à votre avis? Par là. Putain mais tu te déplaces super vite en fait. Putain flash quoi. Bon c'est un petit bug en fait, faut juste vers ta pote, je suis à coup. Qu'est-ce qu'on est bien en vrai là? On va chill et tout, ça c'est le genre de live que je kiffe tellement. De toute façon, on parle d'un truc cool, on voit des BD en mode détente. Par contre, on remarquera l'inutilité d'avoir pris Chili Barbecue, je n'en sers pas. Chili Barbecue, j'ai un peu du mal. Tu verrais qui toi par Quatox en jungle en vrai même. Parce que du coup Quatox n'est pas un jungle. Bon ça j'y crois en vrai. Qu'est-ce que je fais? Il dure 3 ans ce truc. Non c'est qu'elle a activé le truc, elle a activé le lézard. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait encore. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait déjà un générateur qui a été fait en celui-là? Et passer par où? J'ai pas eu rancœur? Putain, mes points de sang là, s'il vous plaît. Nocturne noir, Spiritomb aussi. Nocturne noir, en vrai, j'aurais plus défenseur, moi. Bah, même polyvalent, voire.
Spiritomb en vrai. Je sais pas où je verrai. Spiritomb en jungler, ouais, pourquoi pas. En vrai, Spiritomb, ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être un attaquant, ça pourrait être un jungler, ça pourrait être un défenseur, ça m'étonnerait pas en fait, Spiritomb. Pas eu rancœur, mais rancœur c'est genre vraiment quand tu te démanifestes, genre quand tu te manifestes pardon, que ça te je crois que tu peux l'avoir. Bon, encore heureusement que tu gagnes des points de sang en te déplaçant comme ça, mais... Les bruits. Non mais les gens qui se fient au bruit. Tell me your secret, hein, parce que putain. Je sais pas comment vous faites, hein. Se fier au bruit. Je crois que c'est la pire idée qu'on m'ait donnée avec Spirit, hein, actuellement. À ce jour, je cherche encore une idée encore plus merdique, hein. Se fier au bruit. Tu sais que j'entends à côté de toi, ils sont à 3 mètres derrière. C'est genre, ok. Ce générateur faisait pas de bruit d'ailleurs. Ah, bah c'est la compétence de Feng Min. Ça va, Bill? Ah bah, Bill s'est transformé. J'ai pas suivi. Ouais, t'es là. J'ai pas de... Attendez, ils sont... Nulle part. C'est de la merde, je suis vers le coup. Faut arrêter, faut pas jouer que je suis vers le coup, c'est de la merde. Je suis vers le coup, je vais l'enlever juste après, hein. Pour sur Mercy aussi d'ailleurs. Bon, je vais dire, je vous écoute, je sais pas, ce sera mille fois mieux en vrai. D'accord, mais c'était où? Il y a un bruit par là. Mais où par là? Mais quoi? Je peux... Je regarde ça à votre secret qu'on fait pour vous téléporter. Parce que moi, je sais pas. Je sais me démanifester, mais alors me téléporter, je sais pas. Je vous avoue là-dessus. Puisqu'on me faisait plus d'un jeu, je vais vraiment dire à quelqu'un, ouais alors Spirit, fais te fier au son et tout, mais souvent ils sont, et tu les repères et tu les attaques. Des mythos. Énorme mytho. Pourquoi j'ai dit ça? Un jour j'arriverai peut-être, hein, mais là je vous dirai d'accord, tu fais comme ça en fait. Et pourtant c'est pas du tout le cas en fait, donc Mais le problème c'est que j'ai pas de perk de... Ok, les survivants n'existent pas. Je suis barbecue, c'est de la merde. Mais là, ce que vous voyez là, c'est pas exceptionnel, hein, moi, c'est tout le temps. Hein. Que ça fasse à cette perk. Hein. En plus, quand ils ont collé les générateurs, tu les vois pas parce que du coup, ils ont la même texture, enfin la même couleur, l'aura que les générateurs. Abominable.
Oh, la luck que t'as. On était avec des potes, toi. T'as trop pris la confiance que j'ai vu. Je fais des trucs trop stupides, à mon avis, elle a la confiance. C'est ça. Totalement ça. Tu y as confiance. J'ai dit, au moins j'en ai tué une, mais n'importe quoi, en fait, j'ai même pas tué. Hein. Moscoto nous a trop avéré. Hein. Tu joues pas Moscoto? Mais moi, Moscoto, je t'avoue, mec, j'ai joué. Je l'ai même vu. Genre en game. Et spoiler, je trouve ça pas incroyable. Hein. Enfin, franchement. Peut-être que je suis le Moscoto Slayer, je ne sais pas. Enfin, je dis pas que c'est nul, attention, c'est fort, hein, Moscoto. Mais entre un Azumarill et un Moscoto, mon choix est vite fait. Hein. Allez, c'est quoi? Là, oui, j'ai rancune 600 points, putain. Mon build apparemment est atteint d'une maladie mentale qui l'en. Ah, mais non, il y a écrit Eru, c'est pour ça. Ouf, je me suis moqué, ça vient de se moquer. Ah, j'en ai tué un. Hein. J'étais full life et Goupla, ma vie elle est partie aussi rapidement que Chin quand il est venu. Non, mais ça en fait j'explique, Bill est russe et les Russes ont une maladie terrible qui les empêche de quitter la partie tant que le timer n'est pas à 2% en haut ou alors que le tueur n'est pas venu les voir teabag. Du coup, faut les laisser, hein, et peut-être qu'ils vont, à force qu'ils vont arrêter, ils vont guérir. Moi j'ai espoir, j'y crois en eux. Pourquoi je fais des points en augmentant ma soinerie, en faisant destruction, en pétant des trucs, hein. T'as de réfléchir là où il y a des trucs à péter aussi. En gros, je crois qu'il y a un couloir, je suis pas allé. Les gens qui quittent la game, par contre, je sors de ma hantise. Oui, je sais, je suis en mode hantise et je vois tout, c'est normal, c'est un bug. Non, c'est pas en haut. Attends, j'ai un couloir en tête. Si, non, en plus, c'est sûr, parce qu'il y a un escalier. Je suis pas tombé sur la meilleure map après. Il jouait mieux aussi, et puis j'avais pas de. Ça, ça va rien. Ça m'a servi à rien, du coup, ça m'a servi aussi à rien. J'ai littéralement deux paires qui servaient à rien, au secours! Bon, c'était pas la bonne idée. Ces deux paires de cons. Dans le Drifter, je jouerais quoi? En vrai, j'ai envie de tester. J'ai envie de prendre appel de la mer et surcharge. Appel de la mer, je joue pas ça avec. Ouais, mais non, parce qu'ils ont le deuxième effet, je crois, non, maintenant. Enfin, apparemment, moi je suis pas vu, mais. Fait que sinon, tu fais quelle heure d'habitude, toi? Ah, si! C'est écrit. Après l'application de surcharge sur un générateur, sa vitesse de régression augmente de 75% de la normale à 200% de la normale pendant les 30 secondes suivantes. Sa vitesse de régression augmente de 75% de la normale. J'ai pas compris. Enfin, j'ai compris que c'était. J'ai compris que ça passait de 75% à 200%, mais ça représente quoi 75%? C'est-à-dire quand tu tapes sur un générateur, il régresse de 75% de sa vitesse normale. C'est ça que ça veut dire. D'accord, je savais pas. Ça se combine avec Appel de la mer ou pas du tout? Non, je pourrais mettre quoi avec ça? En vrai, je pourrais mettre surveillance.
Ah, je sais pas en vrai. Putain, je suis en train de penser à Death Singer juste pour ça, en vrai, je devrais le monter pour aussi. Juste pour ce truc de merde. Ah, c'est bien ça, lui mettre de plus. En train de chercher un truc qui peut être cool en vrai. Ça peut être sympa aussi. Je sais pas, ça se mélange par contre avec ça. En fait, appel de la mer, j'ai peur que ça se combine pas avec. Ouais, appel de la mer, ah bah, je vais pas le prendre pour l'effet de régression, je voulais le prendre pour l'effet de. Tu peux détecter sur les gens qui reviennent dessus, c'est ça que je vais prendre surveillance à côté. Au pire, on verra. Hein. Moi, je teste Pokémania, c'est quoi? Je connais pas. Comme je suis curieux, je veux savoir c'est quoi. Ah, Nami. Nami, c'est le printemps. C'est 327 000 points de sang. J'ai fait 3 games. Ne venez pas me dire, par pitié, hein, que survivant, genre. On se fait beaucoup de points, on se fait des points de sang normal, hein. Et que c'est moi qui invente le truc en tant que tueur, hein. Par pitié, arrêtez de dire ça. C'est un mode avec que des Pikachu. Ah, ça fait que je teste ça. Ça avait l'air marrant. Gagne un total de 3 emblèmes de qualité argent supérieur en tant que solvant ou tueur dans les catégories suivantes. Problème, c'est que tu as plein de choses à faire qui n'est pas du Unite, hein. J'en ai fait une grue en origami, je sais plus où aller. Symbole de longue vie, de prospérité. C'est nul. Ah, ça a l'air un peu rigolo. Et au moins, j'en voudrais pas aux gens de jouer comme des débiles vu que le mode te demande d'être un débile. T'as que des pro players Pikachu. T'attendrais à quoi, mec? T'attendrais un mode sérieux avec des gens sérieux? Sacré Lentoko. Toujours le mot pour rire. Oh non, c'est l'enfer. Ils sont là, 14 électaques dans la bouche, alors qu'ils sont 4, ouais. C'est rien, c'est Pikachu. Moi, toujours Pikachu, c'est que je passe un très mauvais moment de base, donc. Les gens, ils parlent un peu trop de trucs genre Amphinobi, Pierrobot, Nymphali, tout ça, mais. Pikachu, en vrai, de base, c'est un truc de l'enfer. Hein. Pikachu, c'est l'enfer. Je ne dirai jamais assez. Fourreau de Wakizashi. Mais moi, je dirais un truc, mais de base, pour moi, tu devrais pouvoir retourner à ta place dans ta coquille dès que tu fais la hantise. Hein. Un peu comme The Dredge avec la relique. Hein. Mais depuis que ça existe, en fait, Spirit, je me pose la question de pourquoi, en fait, non. En vrai, Pikachu, il a une attaque que je trouve vraiment très forte, mais que je trouve très peu utilisée en partie, c'est Toilélec. Je sais pas pourquoi il y a si peu de Pikachu qui joue avec Toilélec.
Il y a trois nerfs, hein. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Bonjour, nous avons de l'humour. Ils aiment les coffres. Le but principal du tueur dans sans blague. Rapporte le plus de points de sang, alors. Non. Non, c'est faux. Quoique. Bah, si tu cumules les effets, oui, effectivement. Et encore, non, en fait, c'est faux. Parce que, genre, tu touilles souvent, t'auras. Ah, ça fait partie du sacrifice. Enfin, c'est là, c'est contre consonnerie, mais. C'est partie du sacrifice. Là, c'est une game où j'aurais bien aimé avoir sur ma presse, c'est une game de merde. Ah non, j'ai rien dit. T'as l'air très con. J'ai vraiment vu un Reddit où un mec expliquait qu'il fallait compter, je sais plus, tous les combien de secondes pour compter la réparation spirit. Ça sert tellement faux en fait. Tellement mec vu chargeur qui maîtrise spirit. Alors 15 secondes par rapport à quoi? Je sais même pas quand t'es disparu. Ce que vous voyez pas en fait, spirit là fait que de clignoter en fait. Disparaître et réapparaître. Mec, tu sais que je t'ai vu. Casse-toi. Il fallait pas beaucoup pour faire fuir. Hein. 4 games, pourquoi 4 games? Il se passe quoi au bout de 4 games, la Terre explose? Au bout de 4 games, tu as toutes les pierres d'infinité qui te feront disparaître Pokémon Unite? Enfin, quitte à avoir la possibilité de modifier Pokémon Unite. Ah putain, encore toi. Autant. Yes. Autant le rendre en tant qu'arbre quoi. Moi je t'en fais un smite-like, c'est bon quoi. Avec les mécaniques propres à Pokémon Unite. Avec une vraie commu sur PC, des vraies parties qui durent vraiment genre 30 minutes, 1 heure. Attends. Tu peux me répéter ça, s'il te plaît? T'es passé par la fenêtre alors que j'étais devant. Comment t'as fait? Parce que la coquille, elle est solide. La coquille, c'est une barrière. Hein. Les souris ne passent pas à travers. Hein. La meuf a réussi à sauter par-dessus la fenêtre? C'est une vraie question quand je te demande comment t'as fait. Hein. J'aurais dû taper, je suis trop con. Ah, dommage. Ah, donc oui, qui fait plaisir là. Vraiment des nerfs rosés, hein. Là, pourquoi j'ai entendu ce qui se passait derrière moi, ce bâtard? Oh, le ralentissement que j'ai eu, vous avez vu quand je donnais le coup?
J'ai eu un ralentissement, mais de fou. Genre, sans mauvaise foi ni rien. Oh, viens là, toi. Viens là pour mon tatnophobie. Que je le renforce, que là, suivant. Ils sont blessés. Je peux voir les passer. Bon, ce serait quand même bien que j'en attrape un vite fait là, quand même. Histoire de dire. L'animation, mais ça l'a pas mis à terre. En fait, je pense que l'animation dit juste qu'ils ont fait leur truc en fait. Et pas que leur truc est actif en fait. Je crois que c'est ça en fait l'histoire. Je crois que je suis juste con en fait. Non, sérieux. Non, ça va, je me rabats sur elle. Je sais, c'est Néa, c'est cohérent, c'est à la atterrissage équilibré. Mec, t'es trop con, pourquoi t'es revenu vers moi? Putain, ça fait mon coup et tu te mets devant, quoi, tu te reviens, genre, excuse-moi, je voulais pas esquiver. Rancœur, ouais, je l'ai. Rancune, pardon. Ils soignent, hein, les cons. Malgré le fait que j'ai bouché Sadik, ils perdent pas de temps pour soigner. Putain, caca dans les buissons, parfait. Je refuse de perdre contre quelqu'un qui a caca dans les buissons. Avant que je gagne 1000 pièces. Ouais, y'a 1000 pièces à gagner, c'est fou ça. Plus vite en tease. Ah, elle a compris que je voulais charger mon tease. Genre, mais là, genre, vous savez où elle était là? Vraie question philosophique, hein. C'est pas ce que j'ai l'intention que je les ai entendus. Comment t'as su que j'allais venir par là? Je veux bien la petite lumière rouge, mais faut pas déconner, elle est pas si longue que ça, la mienne. Par contre, quand ça tombe à court de palette, hein. En haut, en tout cas, c'est quasiment pur. Prédateur qui passait par là. Je vais laisser finir l'autre. Attends. Quatrième. Gagne une pièce. Prise erreur pour casser des bouches. Ah, tu prends pas Moscoto. C'est toujours pas fini ce générateur, quoi.
savais que j'étais thanatophobie. Putain, la effusion, ok, je retiens. Du coup, avant de la prendre, il faudrait que je fasse attention de voir qu'il y a bien des crochets pas loin. Ça, on s'en fout. Lui, il est un peu chiant. J'ai resté plus longtemps patrouiller. Parce que moi j'aurais pété tes palettes, c'est cool. Cette game qui dure 1000 ans quoi. Moi rancune, genre c'était après être manifesté, c'est genre les 10 secondes qui suivent, tu tapes quelqu'un ça. Tu gagnes rancune quoi. Putain, mais il reste beaucoup de palettes là, j'en ai envie d'en voir 3 quoi. Je dois aller surveiller les générateurs en vrai. C'est quand je sens briseur d'espoir que je tombe sur des mecs avec des totems, c'est un truc de fou ça. Ils soignent vite les coups. Pourtant j'ai bougé sadique hein. Après j'ai ce totem de soin si je suis con. Ah dommage. Okay, ils ont fini un générateur, il reste plus qu'un. Bon, j'ai vu. De toute façon, je vous avoue, j'ai vu la map de saut, j'ai vu bon c'est mort. J'aurais eu oppression, en fait, le problème c'est que la map de saut, en fait, faut trop se déplacer entre les endroits. Il y a trop de palettes. Vous avez vu le nombre de palettes genre qu'ils ont fait tout le long de la partie, qu'il y en a encore plein. J'ai fait la remarque là, mais j'ai dit putain, mais c'est vrai, là juste en bas, à un moment il y avait littéralement trois palettes sur mon écran quoi. Alors qu'on est en fin de partie, qu'il m'allumait la gueule alors que sur le côté droit alors que c'est pas possible. Qu'ils ont que de faire tomber des palettes, pardon. Je vais faire tomber. Faire perdre du temps comme ça. Il est pas là. Hop, les caisses, comme ça il peut pas m'aveugler.
On s'en sort plutôt bien, franchement. Prendre Mousqueton, mais on le pique avant moi. Il est tant que ça aimé, Mousqueton? Juste pour m'assurer. Ouais, appel de la mer, c'est un peu trop en vrai. Ou surcharge en vrai. Je pense j'aurais plutôt enlevé surcharge, j'aurais mis. J'aurais bien mis autre chose à la place. Ça qui a fait du bruit, mais je sais pas c'est quoi. Je vois, ils font tomber des pets, ça c'est cool parce que du coup, ils vont tomber à court de pets sauf s'ils vont en bas. Est-ce qu'ils vont penser à aller en bas? Apparemment, oui. Encore une là quoi. C'est une blague quoi. Quand j'ai commencé le jeu, et que je suis tombé la première fois sur cette map là, je vous jure c'est vrai. Normalement j'étais bloqué en bas comme un con, j'avais pas trouvé les marches pour monter. Seulement que c'est une map bien mort. La vérité. Ouais. Je sais pas où ils sont les crochets. Bah là-haut. Il y en a aussi un là-bas. Toi t'es mort. Je m'en sors bien, franchement, je trouve, hein. Parce que sur les énergumènes que je tombe. Je vais aller voir s'il n'y a pas des portes à péter en bas. Il y a des portes à péter? Oui, il y a des portes à péter, c'est pas vrai. Sur l'ancienne version, il n'y en avait pas. Puis il y en a beaucoup des portes ici. On va aller voir ça. J'ai dit, ils sont en train de soigner, non, ils sont tous en forme. Non, ils doivent être russes aussi. Ah oui, ils sont russes. Mais sur une blague, y'a pas que les Russes qui font ça. Les Français aussi, MDR. Souvent quand ils veulent faire la trappe, ils se cassent. Ils comprennent que tu t'en fous en fait. De... Moi là, je cherche juste les portes à péter que j'ai pas pété. Je pense qu'ils sont en haut en fait. Parce que comme vu que t'es déjà tout ouvert, bah j'ai pas pensé à. Ouais, voilà. Mais peut-être que ça va. J'ai pas trop bien, vous pouvez voir. Ah non, il y en a. J'ai déjà pété. Non, là où il y a pas. Rien à péter. Attends quoi? Bah. Coucou, tu peux. Attends. Coucou, tu peux des croissants et un chocolat. Oula, faut que t'ailles dormir, Len Toko. 1h40. Bah ouais. Il est 1h40. Ouais, je suis niveau 32. C'est clair. Franchement, pour l'amour de tout ce qui existe au monde, relisez vos putains de messages avant de les envoyer. Je n'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le dire. Je passe ma vie à dire ça. Mais c'est vrai, relisez vos messages avant de les envoyer. On dirait que vous êtes pressé de les envoyer, vos messages. J'ai vu thanks to, j'ai pas lu la suite, j'ai appuyé sur améliorer. Au même moment. Genre, moi je suis. Apparemment, bah, maintenant je pense que c'était normal pour beaucoup de gens, mais moi je suis vraiment abasourdi par le fait qu'il y a des gens qui ne relisent pas ce qu'ils écrivent avant de les envoyer. Moi c'est. Là je parle pour moi-même, hein. Je parle vraiment pour moi-même, je parle pas pour vous ni rien, mais. J'arrive pas à imaginer, moi, franchement, envoyer un message comme ça et l'envoyer direct. C'est un truc de fou.
je critique personne à cause de ça. C'est juste que, en fait, j'aurais trop peur d'envoyer de la merde, en fait. Genre dire un truc con, genre merde, putain, j'ai dit ça, quoi. Voilà, juste dire ça. Vous, j'ai l'impression que non, vous, en fait, j'ai l'impression que ça vous impacte pas. Après, c'est que je suis très parano de nature. Là, je parle pour tout le monde, je parle pas que pour Hélène Toko. J'ai des gens IRL, j'ai des potes aussi, je les vois envoyer des messages, ils se relisent pas et tout, je fais. C'est un truc de fou, quoi. Mais pas, relisez-vous, quoi. Mais un minimum, genre, je vous demande pas genre de vous relire mot par mot, c'est genre vraiment, genre, moi, je sais pas, j'ai envoyé. Salut, je bois une canette. Genre, salut, je bois une canette, je me relis, salut, je bois une canette. Alors, envoyez. Genre, c'est pas, c'est juste ça, tu vois. Vous me faites halluciner des fois. Hein. Je parle des gens en général, parce que je sais qu'il y a des gens que. Qui regardent la VO2 qui verront de quoi je parlais. Et le pire, c'est que je sais que je suis un rare cas comme ça qui vraiment relit les messages en fait. Je suis une espèce rare en fait. Éruption, ouais, sympathique. Ouais, éruption, c'est limite mieux que surcharge. Que. Oui, ça surcharge. Et du coup, Lentoko, je veux bien la traduction, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, j'ai pas fini du coup celui-là. Dire je veux. Bah, coucou. Attends, quoi? Je voulais dire je veux? Bah, coucou, je veux des croissants et un chocolat. J'ai plus. Je crois que j'ai dit une connerie, mais effectivement, mais j'ai plus du coup le contexte. Ouais, souvent, vous savez, j'ai dit des conneries, mais genre sans m'en rendre compte, en fait. Genre, j'ai des trucs, genre, naturellement, comme ça. Ça me m'écharne. Ah! En vrai, par contre, c'était pas mal. Le build, j'avoue, m'a un peu sauvé le cul. Sinon, la game, genre, il l'aurait speedrun. Hein. Voilà, entre nous. Par contre, là, je fais une game, mais c'est ma dernière game. J'ai les yeux qui me brûlent littéralement. J'allais me coucher après. J'allais ranger mon bordel. J'allais me coucher. Ah. Toi, Ntogo, t'as déjà joué à des BD, je crois, non? Si, je crois que tu m'as dit que t'avais déjà joué. Vu qu'on est le matin, coucou, voudrais-tu des croissants? Mec, le matin. Putain, c'est pourquoi? Non, j'ai jamais joué, d'accord. Je m'excuse. Mais le matin, t'es gentil. Bah, non, je veux dire, c'est faux aussi, en soi, c'est faux. C'est quand, en vrai, vraiment, on va dire, dans la vraie vie, la vérité, c'est quand le matin? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui régit ça, qui dit le matin, c'était l'heure? À quelle heure? Je demande à Google. Mais je crois qu'il y a un délire comme quoi le matin, c'est quand le soleil se lève. Le matin. Ah oui, voilà. Alors, le matin, pour des indications horaires, c'est entre minuit et midi, mais seulement pour des indications horaires. Par contre, quand le coq chante toute la journée. Par contre, le matin, vraiment comme ça, là, c'est effectivement quand c'est du moment à partir de l'aube jusqu'à midi. Voilà, ça vous avez votre réponse. C'est pour ça qu'il y a des fils de pute qui disent que 11h c'est plus matin. Du coup ils ont tort. Dommage que t'as pas tout l'ensemble. Et oui, je t'aurais presque épousé. Non, le neutre braille que le matin. Ah ouais? T'en faisais bien de la chance. En fait, un coq, ça hurle tout le temps parce qu'en fait, il y a plein de raisons de hurler. Soit c'est pour effrayer les prédateurs, enfin les prédateurs ou les choses qui sont autour, quand ils se sentent menacés ou quand ils sentent que son poulailler est menacé. C'est aussi pour impressionner la femelle quand il a besoin de baiser, en fait, simplement. Mais c'est aussi, bien sûr, quand il voit le soleil se lever,
il prévient en fait bah, les femelles que c'est le matin. En gros. C'est trop bien un coq. C'est quoi comme coq? Est-ce qu'il est un peu vert et tout? Comme les coqs que j'imagine. Comme les coqs de Slime Rancher. C'est ça ma question. Mais y a pas de raison qui fait qu'un coq peut brailler. Est-ce que tu le caresses? Est-ce qu'il est doux quand tu le caresses? J'aimerais avoir un coq pour le caresser, lui faire des papouilles. Une petite litière et genre qui dorme avec moi. Et pop 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 pop! Ce serait trop mignon! J'aime beaucoup les bruits que font ce que fait Spirit quand t'es crack. C'est un peu ASMR sur moi. J'ai plus le chiffre exact de nombre de générateurs par partie. De générateurs. What? Meuf? Attends, attends. Je demande pouce l'arbitre. L'arbitre pouce. La meuf s'est téléportée, on est d'accord. Hein. C'était plus rapide que moi, sérieux? La meuf va me distancer limite. Sans ses limites quoi. Merci. Une fois que je m'en occupe pas. Complètement pif, ma pauvre. Je te jure, hein, tu peux pas y croire ce qui vient de t'arriver. Je sais, j'aurais de la tapasse, j'aurais ragé. Me connaissant, hein, mais. Je crois qu'elle essaie de sauter un peu. Elle a dit ça, sauter, je crois. J'aurais bien été content d'avoir mes crochets ceinture monstrueux. Il y a un Pokémon coq? Je crois que oui. Oui, Brazegali. Je suis con. C'est pour la pète que tu m'as mise. Et la TP de l'autre.
Genre quand ils te regardent péter la palette, ils aiment bien que t'aies fini pour avant de partir. Genre de la seconde où t'as fini pour partir quoi. C'est vraiment genre j'adore. Bonjour toi! Cette game de con, ouais. La Handy Team. Je vais pas dire que ces gens sont handicapés parce que c'est souvent insultant pour les survivants. Enfin, les handicapés, pardon. Pas les survivants. Souvent, c'est bien. Souvent, faut les insulter. Mais toujours complètement débile, hein. Je t'ai pas eu encore, toi. J'ai oublié ton nom. Laurie. J'ai vraiment pas fait que ça pied. Ok, du coup, un coq domestique à plus marin, d'accord. Et j'ai fait 55% de dommages à ma team. Et... Merci, Moscoto. Putain, ta team, quoi. Putain, Moscoto. Peut-être que juste que tu joues bien, très bien, Moscoto. Hein. Ah, dommage. Enfin, ils ont compris qu'il fallait être autre part que dans la cave. Ce qui est déjà un up niveau technique. Hein. Enfin, en vrai, j'aurais été malin, j'aurais poursuivi l'autre que j'avais déjà accroché juste avant, quoi. J'ai rancœur là, oui, j'ai rancœur. J'aurais agitation, pointe de fer, j'aurais ramené jusqu'à la cave juste pour troll. Peut-être un nouveau main. Peut-être, hein. Les mains, c'est bien quand ça évolue. Hein. Les idées évoluent, c'est une bonne chose. Il y a pas, tu penses qu'avoir des idées qui changent tout le temps, genre pas avec des stabs, c'est pas bien. C'est fou, hein. C'est bien si vous avez. Si vous êtes ambitieux. Vous avez envie de découvrir. C'est pas une mauvaise chose du tout, hein. Vous savez, quand j'ai eu une réunion avec la psychologue là, du travail, parce que je rappelle, on a tous ces réunions avec la psychologue du travail, elle m'a vraiment dit que c'était pas une bonne chose, que j'étais éparpillé, parce que je lui ai dit qu'en ce moment, j'aimais bien apprendre, en ce moment, j'apprenais plein de langues, je m'entraînais à faire du montage, son, en fait, je faisais plein de trucs différents, en fait, j'apprenais plein de trucs différents. J'étudiais aussi la météorologie en ce moment, c'est pas une blague, et aussi l'horticulture, pas l'horticulture, la médecine des plantes. Il me dit que c'était pas une bonne chose du tout parce que c'était genre j'étais quelqu'un qui était pas quelqu'un trop dissipé en fait. C'est fou ça des gens comme ça. Grindmaster Onimuskoto. J'ai des gens pour critiquer. C'est pas critiquer, c'est juste que sur un fait vraiment partie problème que c'était pas une bonne chose quoi. T'es psychologue, tu dis ça quoi. Là on devrait dire bah, awesome, ça veut dire qu'elle a raison et que c'est pas bien ce que tu fais. Peut-être que tu dis de la merde toi. Enfin, pardon, mais dans aucun univers, apprendre et apprendre plein de choses, s'ouvrir à plein de passions, à plein d'activités, la musique, l'écriture, la science, tout ça, c'est une mauvaise chose, putain. La meuf, t'es en train, t'es littéralement en train de me dire que si. Toujours des haters, c'est même pas des trucs de haters, c'est une psy, mec. Une psy qui dit ça, quoi. Je suis outré. Il n'y a pas de contexte particulier, attention. Parce que là, ils vont me dire qu'il y a forcément un contexte. Non, il n'y a pas de contexte particulier. Moi, les psys, je crois que je m'entendrai jamais avec ces gens-là. J'aimerais trop un jour rencontrer genre quelqu'un vraiment que j'ai proche en tant qu'ami, mais qui est psychologue, avec un vrai diplôme psychologue, qui a un vécu d'au moins quelques années, quoi. J'ai envie de dire au moins 3-4 ans. Et lui raconter mes expériences avec d'autres psychologues et genre lui poser des questions, quoi. Je crois que c'est la seule fois où je verrai un psychologue où ça me ferait du... où ça m'aiderait, quoi. Moi, je sais que les psychologues et les thérapeutes, c'est important parce que ils ont des connaissances que toi t'as pas au niveau de la psychologie qui permettent de détecter les gens, de profiler aussi un peu les gens et donc de prévoir des dangers ou autres pour d'autres personnes ou pour ces mêmes personnes-là.
Mais alors pour l'instant, en vrai, les psychologues que j'ai vus, moi, c'est vraiment du niveau de... Une personne qui fait du magnétisme, quoi. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Une personne qui vend des placebos, quoi. Genre qui te vend des médocs à base d'eau et de sucre et qui te dit, tiens, c'est un médicament pour soigner ton cancer. Pour moi, c'est du même niveau, hein. Ce que j'ai vu, hein. Quand j'étais gosse, j'en voyais une, j'en racontais ça, les gens, ils m'ont pas cru. Quand j'étais gosse, j'en voyais une. Enfin, je l'ai vue pendant plusieurs mois, hein, pendant peut-être au moins 6-7 mois. Presque l'année entière, je me rappelle. À chaque fois que j'allais, elle me parlait pas, je dessinais, elle me demandait, tu dessines quoi? Je disais, bah, je dessine ça, d'accord. Et prenez des notes. Moi, pas cru, hein. Je vous jure, c'est vrai, j'étais CM1, CM2 par là. Les tarés, hein. C'est eux les tarés, c'est pas moi le taré. Je suis taré, certes. Moi, j'assume que je suis taré. Et je le vis bien en plus. Ils sont passés en mode sneaky. Le fameux mode casse-couille. Ils sont. Et là, ils sont. Et là, ils flippent parce qu'en fait, ils ont tous été une fois sur le crochet. Pas enfin, tous deux fois sur le crochet, pardon. La prochaine fois, c'est la mort. Je sais pas où il avait ça, meuf. Et la première, c'est toi. Enfin, la deuxième, du coup, c'est quand même une qui est morte, quoi. Ah, j'avais force brute, j'aurais pu la rattraper directement là. Enfin, presque directement. Les psys, je connais vraiment. Je connais pas une personne qu'on n'a pas vu un pour une ou une autre raison à qui ça a été utile. Hein. Pour repasser ce qu'on a parlé ça tout à l'heure, mais une pote qui. Une autre pote par contre, pour le coup. Pas la même que ce matin, enfin pas la même que j'ai parlé ce matin, mais. Qui a été atteint un hôpital psychiatrique. C'est pas les psys qui l'ont aidé, elle m'a dit. Hein. C'est les AMP, hein. Parce qu'ils ont été aux petits soins avec elle et tout, hein. Parce qu'elle était vraiment mal pour le coup, hein. Psychologue, c'est des gros figurants, un truc de fou, hein. Après, normal, les potes te croient. Pourquoi, si c'est un mec assez détendu pour que les problèmes vous aient. C'est important. Hein? Si c'est un mec assez détendu. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Non, pour eux, les psys, c'est des gens qui sont censés être soignés. Soigner tes problèmes psychologiques. Ou savoir ce que t'as, tu veux savoir ça parce que. Genre, au moins diagnostiquer un truc, tu vois. Te profiler un peu, tu vois. Là, c'est. Là, je. Là, je te parle de personnes qui. Ouais, c'était ta vision des psys à toi, mais. Pourquoi pas, je dis pas que c'est faux. Chacun sa vision des choses, hein, mais. Ça, c'est la mienne, ce que je viens de te dire. Et pour moi, genre. Ouais, les gens m'ont pas cru dans le sens où ils ont dit, non, mais c'est pas possible que, genre, le mec, t'as juste fait ça. Juste vers ça, quoi. Genre, le gars, il a volé ton argent. C'était pas moi qui payais, c'était l'école qui payait, le psy. C'était un psy payé par l'école, alors qu'il y avait un psy scolaire. Ouais. Ça va rien. On va l'attraper toujours là de toute façon ici. Ah c'est chiant. Est-ce que tu vas te rendre? Allez ok vas-y, pars-toi.
Tire-toi! Mais tire-toi! Je débat. Non, j'ai tout fini, mec. On reset la quête car il est 2h du matin. C'est vrai que c'est à 2h du matin le reboot. Même sur Fortnite, c'est à 2h du matin. Les trucs qui changent. Je mets Doudou dans le cul, j'adore. Sinon, on fait la quête. Demain, je sais pas ce que je fais avec. Je dis demain, c'est même pas sûr que je live parce que là, j'ai live jusqu'à je sais pas quelle heure. J'ai rien foutu de mon week-end. J'ai vraiment. C'était rien foutu. Genre, c'est une tragédie. C'est vraiment un petit bug. Ah, vraiment petit bug. J'espère qu'elle va vraiment choper une diarrhée, mais vraiment une diarrhée explosive. Mais genre au pire endroit du monde. Genre dans le tram quand il est bloqué. Genre quand on va marcher, ses jambes vont être marron. Mais vraiment marron. C'est mon plus grand souhait là, actuellement. Et que même après ça, elle aura le cul tellement enflé, tellement rouge, qu'à chaque fois jusqu'à lâchera un micro-paix, elle hurlera de douleur. J'ai quand même dit j'ai wellplay. On m'a dit thanks. Bon, je retire ce que j'ai dit. Tu dis bien si tu veux. Bon, Jigo, j'ai sonné pas de son, moi aussi je vais y aller. C'est très dernier game donc. Il joue à quoi Benzaï là? Il joue encore pas de patrouille. J'ai loupé ça, franchement, je regarderai la rediff demain. Kiss kiss, toi aussi. $531,500. Le plaisir, Anal. Ce bug, c'est un classique. Hein. Bon, s'il gargouille ça, que c'est le moment. Allez! Plus de force pour gueuler.
Je vais être franc avec vous. J'ai même pas envie de monter Jake en niveau. Trente-cinq. Oh putain. Meuf, tu casses tellement les couilles. Six, mec, tu casses tellement les couilles. Ouais. Je pense à un truc là. Je pense que vous savez à quoi je pense. Cinq et j'en suis à là, ok. Cinq et j'en suis à là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ah. Ça, c'est marrant. Il nous faut des banderoles. Il nous faut des banderoles, il nous faut des gâteaux. Il nous faut plein de trucs qui donnent des points de sang. Demain, si on joue, on joue à elle. La mine explosive. Quelle délice. En fait, tout à l'heure, Jill m'a fait péter la gueule deux fois avec la mine explosive. En vrai, ça m'a quand même ralenti, parce qu'à la fin, peut-être s'en sortir à cause de ça. C'est sur genre les 10, peut-être 12 secondes qu'elle a gagné comme ça. C'est les secondes qui a retourné la game pour elle. Hein. Du coup, c'est elle qui s'en est sortie. Je crois que c'est Jill. Hein. Du coup, j'ai quoi pour demain? J'ai pas que ça, rassurez-moi. J'ai que ça. Et ce que je ne ça compte pas. Audace, altruisme, ok, cool. C'est le pire truc. Non, en vrai, altruisme, ça va. Audace, par contre, ça fait trop chier. Fait, je prendrais un truc objectif. Ouais, je prendrais que les trucs objectifs, je prendrais que les trucs objectifs. Non, en vrai, les deux pires, c'est survie et audace. Parce que audace, c'est complètement du pif. Ah non, vous étiez 7, hein, je vous remercie juste pour ça. D'ailleurs, je vous le dis parce que je suis un connard et je ne dis jamais merci quand il faut, mais là, je pense à vous le dire, donc je vous le dis. Vraiment, vous étiez 7. Merci. Thanks. Thanks, bro.
Limite plus classe comme ça. Ça est trop sublime, je trouve. On va se calmer un peu. C'est un seul sur... C'est la première sur 20 qu'on monte Prestige 10. Voilà. Historiquement, c'est un fait. C'est beau, hein. C'est pas Yui, hein. C'est pas Cheryl, c'est pas... Adi, c'est elle. Ah, j'ai vraiment toutes les compétences, quoi. Donc, à mon avis, il n'a pas plus, quoi. Les prix de pas, j'ai encore trop classe. Putain, ils sont du longtemps, ça. Ils en avaient beaucoup d'un coup, les brutins. Bonjour, je suis un cadavre. Comme Spirit d'ailleurs, je suis un cadavre sur pattes là. Je vais pas faire de petits discours, petite discussion à la fin. J'explique ma vie, j'explique pourquoi la vie, pourquoi les choses. Je suis tellement cru que je vais me dire un truc, c'est bonne nuit. À la prochaine pour de prochaines aventures. La bise.